Bonsoir, mes chers invités. Bon, on vient de faire pour notre deuxième édition, dans notre émission qui s'appelle Quiz Freestyle Vision. Donc, soyez les bienvenus sur le plateau. Et tout le monde est souhaité vivement et être à l'aise et de dire tout ce qu'il en pense à travers de ce qu'on lui demande. Soyez les bienvenus. Et premièrement, pour attaquer le point, on va vous laisser d'abord chacun faire une petite présentation pour lui-même et de se présenter à travers il est qui, son nom exactement. Ok, moi c'est Jazzo, a.k.a. membre Outlook. On est là ce soir pour une émission de VFC Prod. Ok? Yeah, it's Yamé Ahmed François, a.k.a. Mr. F from Batum Bede. STF représente Sokojin Plage. On est là pour l'émission et puis check it out, man. Yeah, man, moi c'est Abdul Sek, a.k.a. El Maestro. Je viens de Raymond Family, ROF. On est là ce soir pour Vision Future Communication. Et j'espère que, et je pense que c'est bien, franchement. Yeah, Jazzo, a.k.a. Outlook. Aterika, game is on. Yeah. Ngana kona ndante sahay makelenko kilungwei okoru mungu ndei hageti kebe na fantei awan kapna nyana fo kapna telekane yeah ngana kona ndante sahay makelenko kilungwei okoru mungu ndei geti kebe na fantei awan kapna nyana fo kapna telekane lenki mingnya fo mingnya na manchane hafini mane kono oswanti nyana fo bane rap nyani gole lanti nyana falle hayani mbaka kide agilono kile. T'inquiète, bref c'est commun, c'est du rap engagé, rap désengagé, actif positif, pour un seul objectif, voir le sauce autrement, de manière propre ou ma, propre ou propre à nous, c'est qui fait qu'on reste, tous les jours debout, c'est qui fait qu'on teste, la vie jusqu'au bout, voir qu'on existe différemment des autres, à la place d'artiste, contrairement à l'autre, négro. Yeah. It's your man Ahmedou François, man. Degree check, check from Batum Bede. Live to the Gub Squad in the building. Sokojin Plage, we represent. Gangs to gangs, I got you, man. Boss to gangs, man. T'fadal merah bibik, khou. فضل مريح ببيك شوف خاصوه بين الساده راسي مرفوع شيخ صباع نقر القابه طرق قلبي القلابه جايكم كيف الدبابه نشبه باسمه فوق القمع خراسكم كي تكابه دور توقفني اجل لا تحصر واقف على طريقي دني له المدفر نطق بدو براب تعطوني دي كلاب ريستا فاش يعطوني دي كلاش ندم قدكم كي كلاش نقر قلبكم خلينا تاش اسوا جاي الشنشن طرح لي بالك ونيك ندشن فرفو ما تحل وراك تفهم اللي معني زاح باي سول فليز راسون واي سمعني شوف العاطي ماشي واطي لا رابرات واطي دايرهم تحت باطي بيزن بيز كحسني عن كريم ولا بليز حقق ماي دريم ماني مجوخ تلو ما فريم من ياك حق اشنا بريم ياك نو كلا بدا من السبب شا Yeah, Maestro, R.O.F, you know, VFC, in the building, you know, yeah, rap rim, G, yeah, yo, commencer, quand ma vie a changé, j'ai pensé que je pouvais me lancer, rap en français, avant de vous faire danser, rap sensé, car mes idées sont mélangées, tellement c'était la haine, on tapait pour aller au studio, on nous regardait autrement comme des idiots, on répétait H24 comme des radios, colo colo pour acheter un CD audio, partout où on est monté, tu sais, on a tout défoncé, y'avait des peurs qui souffraient, poto, on a foncé vers le sommet sans être assommé, maintenant l'heure a sonné.
T'entends les chi d'ROF sur ton mur résonné. Oh, j'attends toujours mon heure de gloire. Maestro, je continue d'y croire. Permette-moi pour briller juste pour un soir. Afin de briller sur le trône et m'asseoir. Comme ça, je vais commencer d'abord par Diazo from Outlook, qu'on peut dire. Bon, ma première question, c'est quoi? Pouvez-vous nous expliquer ou nous signifier en fait c'est quoi Diazo? Sans problème, Diazo, c'est comme d'habitude, les MC le font, moi je le fais comme d'habitude, c'est des lettres. Je choisis quelques lettres d'alphabet, les D, les J, les A, les S, les O. Les D va signifier discours, les J, c'est jeune. Hein, les A, c'est africain. Les S, c'est le soninké un peu particulier. Tu vois, les O, c'est orateur. Pourquoi orateur? Parce que j'ai choisi ces noms pour dire que, en fait, c'est peut-être, même si c'est pas vrai, les gens le disent chaque fois. Tu vois, ça se passe. On dit que le rap soninké, ça ne peut pas s'exprimer. Moi, je pense que le rap est universel. Tu vois, il n'a pas besoin. Parce que j'ai écouté des rap allemands, des chinois, je voyais des chinois déraper. Donc, tranquille, quoi. Donc, c'est une façon de dire que la langue soninké a. En tant que telle, elle a une charisme, tu vois, elle a quelque chose de charisme là-dedans. Donc c'est quelqu'un qui le fait sortir. Moi, en tant que Diazo, je suis là juste pour faire sortir ce charisme, montrer aux gens que la langue soninké, elle cache quelque chose, quoi. Dans ce pays. Pour avoir de la place. De la place, ouais, c'est ça. C'est juste ça. Merci Diazo. Ma deuxième question, c'est quoi? C'est quoi votre concept dans ce mouvement? Ouais, c'est-à-dire que le concept, il faut voir encore le nom, Diazo, toujours, ça revient. Parce que, comme je me suis dit que je suis orateur, c'est pas une façon, c'est pas seulement soninké. Tout à l'heure, j'ai fait en freestyle, soninké et français. J'essaie d'être universel un peu. Parce que j'ai compris que la Mauritanie, soit ça manque d'unité, quelque chose comme ça. On n'a pas une langue qui peut nous réunir, nous tous, tout le monde, par cette langue. Une langue officielle. Officielle, voilà. Même si on a une langue officielle arabe, mais. On a du mal à se comprendre entre nous, quoi. Donc, voilà, c'est-à-dire que je suis là, Diazo est là. Le concept, c'est quoi? Le concept de Outlook, c'est quoi? C'est dire que c'est le rap ice. Le rap ice. Donc, c'est dire que tout ce qui se cache, nous, on le voit, mais on le voit autrement avec les gens. Peut-être que les gens ont touché le problème de l'unité nationale ou le problème de langue ou le problème de rap. Mais nous, on est venu toucher le rap pour dire que le rap est antiraciste. T'as compris? Donc, c'est juste, c'est pas le sonique seulement, même si c'est Wolof et mal vu. Je peux rapper en Wolof pour dire que c'est pas l'un qui a le problème. Le problème, c'est l'MC qui est, tu vois. C'est juste ça, ok. Merci, Diazo. Pour l'instant, on ne va pas y revenir sur des réponses, mais juste on va y enchaîner par des questions. La troisième question, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à Nouakchott, il y a beaucoup de rappeurs et chaque jour, ils font enregistrer tant de maquettes et il y a rarement d'activités et de programmes? Alors, de quoi causes-tu de cela? Tu cherches la cause. Tu vois, j'étais très ému d'abord. Parce que lorsque je suis venu ici, tu m'as parlé du truc. Tu m'as dit de venir jusqu'ici pour me parler du truc. Je suis venu, j'ai apprécié. Parce que quand on parle de mouvement, c'est ça le mouvement. Le mouvement, ce n'est pas le rap, mais c'est qui le fait mouvement comme bouger. Tu entends le mot? Donc ça fait bouger les trucs parce que ça fait du buzz hein, à l'intérieur de sur le net, quelque chose comme ça. Moi, je trouve ça, c'est bien. Mais ce qui ne fait pas marcher les trucs, c'est simple. Parce que, tu sais, en Mauritanie actuellement, on voit, il y a beaucoup de trucs qui sont là. Ça n'évolue pas. Comme tu l'as dit, on a fait actuellement, on attend jusqu'à album pour que ça bouge. Ça ne bouge jamais. La cause, ça peut être des MC, ça peut être nous-mêmes, parce qu'on a compris qu'ici, jusqu'à présent, le rap n'est pas reconnu, donc en quelque sorte. Donc c'est à toi de mettre valeur, tu vois, d'investir ce que tu fais, tu fais croire aux gens que ce que tu fais, c'est de... Tu les fais bouger, en quelque sorte, comme tu l'as fait actuellement avec VFC, vous avez... Oui, VFC, vous êtes en train de faire bouger les choses, voilà, c'est ça. Merci, Diazo. On va procéder à la question suivante. En quelle année avez-vous commencé à faire de la musique? Et depuis lors, de quoi avez-vous réalisé comme projet? Ok, comme que l'année exacte, je ne peux pas te dire ça parce que c'est un peu flou. Je peux dire que j'ai beaucoup duré dans le mouvement.
Mais ça n'a pas commencé ici, parce que moi, avant Outlook, avant qu'on se rencontre, moi, j'étais à Célibabi, j'ai rappé avec un oncle, c'était très longtemps, gars. Mais je ne veux pas dire que c'est du rap, parce que c'était par plaisir, on voyait des gens monter sur scène, on imitait au fur et à mesure. C'était ça, mais date, il faut attraper vers les environs 2003-2004, comme ça, je me rappelle, c'est ça. Parce que la sortie de Paco Lagnol, là, on se cause à ce moment que j'ai débuté, tu vois, de faire du rap. Au sens vrai du terme, quoi, monter et faire de freestyle ou quelque chose comme ça. Et vous réalisez des projets ou pas? Le projet, non, peut-être que réaliser, non. Ils sont en attente. Hein? Oui. Par exemple, quel projet vous prenez? Projet, voilà, on peut dire, on a un projet d'album, on peut dire ça, mais comme que c'est très difficile sur ces côtés-là, on bosse, jusqu'à que le jour où, tu vois. On trouve la promo. Tu sais, la Mauritanie, il y a deux promos. Ouais, la Mauritanie, c'est deux promos. Il faut chercher d'abord promo public, ensuite promo d'album. Tu vois, c'est ça, quoi. Donc, on fait comme tout le monde. On essaie de respecter un peu, tu vois, la logique qui est là. Sinon, on ne va pas s'en sortir, quoi. Donc, c'est ça comme projet actuellement. Yeah. Merci, Diazo. Donc, il faudra beaucoup de parcours pour pouvoir prouver. C'est ça, si je comprends bien. Donc, ma dernière question, c'est quoi? De quel thème chantez-vous en général dans ce rap? Dans ce rap actuellement que vous faites, oui. Vous utilisez quel genre de thème en fait? Universel, yeah. D'abord, le thème, nous, je ne veux pas vous mentir, Outlook, c'est des rapports de thème. C'est des rapports de thème parce que nous, on sait qu'ici en Mauritanie, il y a tellement de problèmes. Hein, tellement de problèmes, comme je l'ai souvent souligné, encore problème d'unité. Imagine-toi dans un pays où on est djahas mélangé, tu comprends pas, il n'y a pas une langue, donc ça, notre combat, et puis c'est très bien, parce qu'il n'y a pas un album qui est sorti en Mauritanie ici qui n'ont pas parlé d'unité nationale, t'as compris, thème qui me impressionne d'abord, c'est ce thème-là, et nous, franchement, on va le faire, mais comme c'est Outlook toujours, on va faire l'unité nationale, mais ça sera autre manière de le voir, autre manière, on ne va pas venir chanter, voilà l'unité, il faut signer, non. On va leur dire comment signer. Peut-être qu'ils vont refuser de faire ça. Mais c'est ça. C'est la solution qu'on va amener. C'est Outlook. C'est la solution qu'on va amener, Inch'Allah. C'est juste ce thème-là qui... Mais on ne veut pas dire que c'est le thème qui sera le titre ou le truc, mais ce sera un thème qui sera, tu vois, avec... Peux-tu nous donner un petit exemple à travers ce thème, comme par exemple? Comme par exemple, il y a qui chante, comme par exemple, pour des maladies, il y a qui chante, c'est-à-dire qu'en fait... Pour certains critiques contre l'État, il y a d'autres aussi qui parlent, tu vois, un peu de dégoûterie ou d'autres qui font de clash. Mais en fait, vous, quels sont vos thèmes de base, en fait, que Outlook utilise souvent dans ces textes? Oui, je viens de le dire, c'est social. Nous, c'est social. Parce que nous, on pense que... C'est vrai que le rap, n'oubliez pas encore l'origine du rap. C'est même si l'État n'a pas fait foutu quelque chose pour nous, mais c'est vrai qu'il faut toucher l'État. Et puis, on doit le toucher. Si on touche l'État, on touche la société. Mais nous... On sait que nous, entre nous, dans la société, il y a des problèmes qui sont là-bas. Ces problèmes-là, Outlook essaie de les dire. On a fait Haldou CS, exemple. Haldou CS social. On a fait un peu, c'est quoi encore? On a parlé du PIS, c'est un peu, même si c'est universel, c'est un peu social. Parce que la Mauritanie, tôt ou tard, je ne souhaite pas ça. Je suis un artiste, je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste, mais il y a des choses qui sont inévitables. Hein. Donc c'est juste cette unité qui peut mettre, hein, qui peut faire la Mauritanie un pays de paix. Tu comprends? Donc on va chanter encore l'unité. Toujours c'est le problème du social, hein, comme Haldou CS. Yeah. Merci Diazo et bravo. Merci beaucoup. Bon, ma première question, c'est quoi? Quelle est votre pose d'eau? De quoi représente ce pose d'eau dans ce rap? C'est de... Ouais, c'est votre surnom en fait. Yeah, mon surnom c'est SDF, son dealer François, dealer de son François comme une autre famille. À part ça, SDF, sans domicile fixe, from Bédé, autrement dit, c'est ça. De quoi représente SDF dans ce rap aussi? Okay. SDF, c'est son dealer François, puisqu'on parle trop de nous, on parle trop, on fait kiffer les gens. Donc, c'est un dealer de son en quelque sorte. Je fais ce que je sens, je vois des problèmes, j'en parle, je fais kiffer les gens et puis, si c'est possible, je vends. Je suis là pour vendre, un point intérêt. Voilà. Merci beaucoup, From. On va passer à la deuxième question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les rappeurs mauritaniens
presque la majorité de, comment dire, la majorité de partie des rapports mauritaniens ne s'intéresse pas à la révolution. Bah, je vais parler de moi un peu personnellement. La révolution, il y a plusieurs sortes de révolutions. Donc, il n'y a pas de rap sans révolution pour moi. Parce que même quand tu parles de toi, tu fais une petite révolution parce que tu te révoltes en quelque sorte, tu te défoules. Là, c'est le concept du rap. S'il y a certaines personnes qui ne s'intéressent pas à la révolution, que veux-tu dire gars, exactement par la révolution, premièrement? Je veux dire de la révolution, parce que quand on parle de la révolution, on parle d'un changement. Et nous, on voit aujourd'hui qu'à travers la Mauritanie, beaucoup de rappeurs font le rap, mais à travers ce qu'ils disent, n'a aucun rapport à ce que dit le changement. Et quand tu penses, que, de quoi penses-tu de cela? Moi, je ne peux pas juger ça. Moi, je vois que chacun fait ce qu'il sent. Moi, personnellement, s'il y a des problèmes, si le peuple va mal, je représente ça, je parle de ça, je révolte. S'il n'y a pas de problème, je suis calme. Et les autres, ce qu'ils font, moi, je ne peux pas parler de ça. Donc chacun fait ce qu'il sent. S'il y a des révolutions, c'est bien. S'il n'y en a pas, c'est bien. Moi, je fais ce que je peux faire. Est-ce que normalement, aujourd'hui, on doit suivre la logique ou on doit être passionné par des sentiments? Comme par exemple, de quoi tu en dis? On doit dire la logique, la vérité en tant que telle, ou on doit être dominé par nos passions avec nos sentiments et laisser ignorer la vérité et soulever les mensonges? De quoi tu en dis, Tessa? Non, non, non. Pas de mensonges. 100% la vérité. Pas de mensonge. On parle de la vérité. Comment dans le rap? Bah, tu dis ce que tu vois, ce que tu sens. Si tu vois que le pays est bien, tu dis que tu es bien. Si ça va mal, tu dis que ça va mal. Tu fais ce que tu sens. Si tu vis mal, mollet, tu dis que tu vis mal. Si tu es bien chez toi, tu es bien, c'est ça? On peut en tirer, pas de mensonge. Merci beaucoup. From, pour passer à la troisième question, est-ce que le rap peut changer la Mauritanie actuellement? Est-ce que le rap peut changer la Mauritanie? Est-ce que la Mauritanie peut changer le rap premièrement? Le rap est là avant la Mauritanie. La Mauritanie est là après le rap, avant le rap. Donc, si le rap peut changer la Mauritanie, moi je crois que les rappeurs peuvent changer la Mauritanie si les rappeurs suivent le rap. Il y a une différence entre rappeurs et rap, tout ça. S'il y a des, je sais pas, des vrais rappeurs, je veux dire, pas des vrais rappeurs, des rappeurs au moins, qui ont une vision, qui ont des idées, qui ont appris un peu de culture, essayer d'orienter un peu de gens, éviter les insultes, tout ça, ça peut changer les mentalités, changer le peuple. Ouais, moi, je vois ça comme ça. Il faut juste une culture, une base, une révolution peut-être, une route qu'il faut suivre. Essayer de motiver les gens, de les convaincre. Et si tu les convaincs, ils vont te suivre. S'ils te suivent, si ton idée est bonne, si tu as une base, ça va changer tout le monde. Ça change la Mauritanie, ça change les États-Unis. Unité internationale, Inch'Allah. Merci, Frum. On va passer à la quatrième question. Bon, conscient de cette discrimination, qu'en dis-tu dans un pays dont le pouvoir est monopolisé par une seule ethnie? Est-ce que le pouvoir est monopolisé par une seule ethnie? Mais il y a un vote, les gens ont voté. S'ils ont voté pour cette ethnie, moi j'en parle pas. Je crois qu'il y a pas mal d'ethnies ici. Il n'y a aucune ethnie qui est favorisée. Donc s'il y a un président blanc ou noir, c'est parce qu'on l'a choisi. Si on ne l'a pas choisi, il est là, on le fait dégager. Sinon, si on s'était tous, donc on l'a bien choisi. C'est sûr. Donc, comment peut-on faire avec les dictateurs qui sont ici aujourd'hui qu'on n'arrive pas à les dégager? Comment peut-on faire pour les dégager? Pour dégager les dictateurs. Est-ce qu'il y a des dictateurs ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dictateur ici? Moi, je ne sais pas. Il faut juste apprendre, se proposer ses idées. Si ça va, tu es président. Si ça ne va pas, les élections vont venir, on les dégage. Si ça ne va pas aussi, il y aura quelqu'un qui va faire un coup d'État comme d'habitude. Et c'est ça. Merci, From. Donc, pour notre dernière question, on a plein de styles de musique. Il y a le reggae, il y a le jazz, il y a le zouk, il y a le mbala. Pourquoi préfères-tu de faire le rap? Dans le rap, moi, je ne l'ai pas préféré, je ne l'ai pas choisi. J'ai toujours kiffé la musique depuis avec les gars, Galérien, Mambi, Saro. Depuis à l'Iroka, on ne connaissait même pas les rappeurs. On n'écoutait pas Piskimi, Futisen, tout ça. C'était ça qu'on écoutait. On a kiffé les trucs, on a tout fait pour faire un morceau, deux morceaux. On a vu les consensus. On ne connaissait même pas qu'est-ce qu'on faisait avec la vraie vie. Entre temps, on a compris, on a kiffé la musique, on a fait du rap. Si on peut faire du reggae demain, je le fais. En point tiré, je fais tout ce que je peux faire. Si ça me fait vendre, moi je vais juste vendre. C'est tout.
Si je comprends, en grosso modo, tu veux dire que tu fais juste ce qui est utile par rapport ce qui est rentable à tes messages. Voilà, c'est ce qui peut faire t'avancer à tes messages. Merci, From. Parce que moi, je fais ce que je sens. Premièrement, je pense à moi, je le sens. Deuxièmement, c'est mon public, s'il kiffe. Troisièmement, j'essaie d'être impérialiste et faire passer quelques messages. Que ça soit Zouk, Mbalah, Rock. Moi, je kiffe le rap. Je suis musicien, je ne suis pas contre la musique, mais je suis encore 100%. Donc, c'est pourquoi je kiffe du hip-hop. Hip-hop for life, man. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maestro, toi ton nom là, on dirait que c'est un peu lourd là. C'est quoi maestro? Maestro, c'est quoi maestro? En fait, maestro ça veut dire maître en espagnol, maestro. Mais moi franchement j'ai pas choisi ce nom. En fait avant je rappais avec mon vrai nom, Abdul. Puis au début je rappais, après il y avait un ami, à chaque fois il me disait t'es un maestro. Depuis ce jour j'ai gardé son nom comme ça, mais je l'ai pas choisi, je l'ai pris comme ça. Est-ce que depuis que le nom a été collé sur la peau, ça te va bien ou pas? J'adore ce nom, gars. Le maître, gars, c'est quelque chose de lourd, donc je dois tout faire pour être un maître, quoi. C'est un maestro, donc j'ai un objectif, je dois être un maestro, donc je fais tout pour être ce maestro. Et tu peux jouer un rôle dans un maître pour jouer actuellement là où tu es? Ouais, je donne des conseils. Un maître doit donner des conseils, aimer son prochain. Je le fais, quoi, pour l'instant. Merci. Maintenant, pour rentrer dans le cours, maestro, oui. La Mauritanie a des télévisions, la Mauritanie a des radios, il y a de la presse. En grosso modo, il y a des médias en Mauritanie. Pourquoi il n'y a pas la démocratie en Mauritanie, premièrement? Et deuxièmement, pourquoi il n'y a pas la liberté d'expression en Mauritanie? Franchement, là, je ne sais pas. Mais franchement, c'est vrai qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Quand on regarde, par exemple, les autres pays, même le Sénégal qui est à côté, le rap sénégalais, il sort à la télé. C'est pour ça que les Sénégalais, là, sont devant nous. Mais franchement, en Mauritanie, il y a de bons rappeurs. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas... La presse, nous... On peut pas nous connaître car on n'est pas reconnu. Car même notre télévision ne veut pas sortir nos chansons. Donc il n'y a pas de démocratie. C'est vrai qu'il n'y a pas de démocratie. Car dans un pays de démocratie, normalement, il y a la liberté partout. Un rappeur, c'est une personne. Pourquoi ne pas le faire sortir à la télé? Je sais que c'est le jour que la Mauritanie fera sortir le rap. Ah là, c'est fini. La télé mauritanienne est partie. Et encore, c'est bon pour la finance, tout ça. Moi, je pense que c'est... Franchement... Merci, maestro. Bon, aussi, on va enchaîner pour les questions suivantes. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? En Mauritanie, la musique n'a pas de productivité. On est conscient de ça. Il n'y a pas un artiste qui a une maison ici. Donc, c'est le rap qui lui a fait gagner. Il n'y a pas un rappeur qui a une voiture. Donc, c'est le rap qui lui a fait payer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelle est la solution la plus fiable, plus crédible pour lutter contre ces problèmes? Il faut l'arrivée de producteurs. Car je sais qu'en Mauritanie, il n'y a pas une personne qui va mettre des millions sur le rap, car ils ne croient pas en nous. Alors qu'une personne, par exemple, notre seule chance, c'est qu'une personne vienne de l'extérieur, vienne à un concert, regarde des rappeurs, les produit et les amène à l'extérieur afin de... Car en Mauritanie, il y a plein de tous les rappeurs. Moi, je sais qu'en Mauritanie, c'est le pays où il y a les meilleurs rappeurs. Ça, c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de producteur. Personne ne regarde. On fait du rap juste pour le plaisir. On sait qu'on va rien avoir en Mauritanie. C'est tout ce que je dis, quoi. Ok, merci beaucoup. Maintenant, comment peut-on faire pour gagner un producteur en Mauritanie? Pas de solution. Pour moi, franchement, il n'y a pas de solution. Et peut-être Dieu, Inch'Allah, mais moi, je n'ai pas vu. Et producteur, je ne vois pas, franchement. Ok, merci beaucoup. Maintenant, maestro, beaucoup de rappeurs dénoncent dans leur message le gouvernement n'a rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, doit-on attendre le gouvernement jusqu'à qu'il fasse quelque chose ou doit-on nous croiser les bras et les regarder et les attendre? Quelle est ta réaction à travers cette question? Moi déjà, tout à l'heure, tu parlais de président blanc. Mais je sais qu'en général, il n'y a que les noirs qui disent que le gouvernement n'a rien fait. Mais franchement, moi, je suis noir. Halpoula, 100%. Mais franchement, nous aussi, les noirs, on a un problème.
C'est vrai que nous, on est toujours là à dire non, les morts, ils ont le pouvoir. Mais nous aussi, les noirs, franchement, si on veut avoir le pouvoir, franchement, il faut travailler, quoi. Faut bosser à l'école. Parce que eux, les morts, on dit que non, ils viennent, ils volent. Mais les morts ont bossé, ils ont travaillé. Depuis 1960, ils travaillent, ils sont à l'école, ils bossent, ils font tout. Et si le président est nommé, il va nommer un gouverneur, quelqu'un qui a appris. Mais les noirs, ceux qui sont là, vadrouillés comme ça, ils ne peuvent pas être dans le gouvernement. Et s'il y avait plus de noirs dans le gouvernement, là, wallah, le jour, le peuple va dire non, le pays a changé maintenant. Même si le pays n'a rien fait, ils vont dire que non, comme il y a des noirs maintenant, on est bien. Mais donc la seule solution, c'est travailler, franchement. Merci beaucoup, maestro. Que signifie ou quelle explication peux-tu nous apporter sous le nom de Rim One Family? Déjà, Rim One Family, tu entends Rim, c'est-à-dire République Islamique de Mauritanie, One Family. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce nom, mais c'est simple. On veut juste dire que dans la Mauritanie, il n'y a qu'une seule famille. On est, qu'on soit Maure, Wolof, Poulard, c'est une seule famille. Il n'y a pas d'ethnie, c'est une unité nationale, quoi. Il n'y a pas de division. On est tous ensemble, Rim One Family. Je comprends, c'est juste ça, c'est simple comme ça. Merci beaucoup. Je crois qu'on est à la fin des questions et réponses. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va procéder actuellement pour le programme. Merci beaucoup. Ok, moi j'ai une question concernant Mohamed. C'est votre nom, Batumbed, ça veut dire La voix de la rue, ok. Donc, si on dit la voix de la rue, on fait allusion à la rue, donc on parle de la rue. Donc, dans la rue, se comble tout, il y a tout, il y a du ce qui est bon, tout comme du mauvais. Donc, si vous parlez de. Vous venez de parler, vous chantez seulement pour avoir du gain. Donc, est-ce que dans ce cas, vous ne risquez pas de sortir dans votre concept? Donc, c'est ça mon question. La différence entre SDF et Batumbede, c'est le groupe, c'est le blast du groupe. Et on est là, on représente ce qu'on voit et on a choisi la rue parce que c'est là qu'on a commencé. On n'a pas fait l'école du hip-hop. La voix, parce qu'on est la voix, parce qu'il y a le rap, c'est la voix, rapper, parler. Comme ça vient de la rue, comme on n'a pas appris ça, il y a peu de gains. Moi, je suis SDF, j'essaie de vendre ce que je peux faire, ce que j'ai appris dans la rue. C'est pourquoi je suis la voix de la rue. Mon concept, je le suis. Je vends grâce à mon concept. Si le public ne kiffe pas ce que je fais, je ne vendrai pas. Donc, je fais tout pour suivre ce concept de faire kiffer les gens. Mais l'objectif, c'est de vendre et faire kiffer les gens. Donc, je les fais kiffer comment? En représentant ce qu'ils vivent, faire ce qu'ils aiment. Et je vends. Ils sont contents, je suis content. Donc, je suis un vendeur de son. Moi, mon objectif, c'est les représenter. Et leur objectif, c'est payer ce que je représente. Je ne le fais pas gratuitement. Donc, c'est ça, SDF. On représente, mais on représente pour quelque chose. Nous, on est là pour l'argent et pour représenter aussi en même temps. Je ne représente pas pour rien. Je suis un dealer de son, moi. Bon, Batumbede, tout à l'heure, je vous ai entendu parler de dire que vous faites du rap uniquement pour vendre, quoi. Ouais. Bon, c'est vrai que ici en Mauritanie, aucun artiste, comme l'a souligné MetMC, ne s'est jamais acheté une maison à cause du hip-hop et d'une voiture, tout cela. Mais d'une part encore, c'est vrai, on est tous des artistes, on sait tous, tout le monde veut mettre un grain de sel dans la marmite à la maison, c'est vrai. Mais d'une part, on dit que le rap, tu dis tout à l'heure que c'est la voix, n'est-ce pas, le porte-parole quand même, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, supposons que moi je suis un homme, je suis dominé par l'injustice et puis je suis fan de Batumbede. Est-ce que je m'attends vraiment à que Batumbede me chante des friandises ou quelque chose d'autre comme ça, d'une manière que tu pourrais la comprendre, quoi? Et aujourd'hui, si Batumbede me chante des trucs que je vois pas en moi, est-ce que sincèrement ça pourrait pas me convaincre, quoi? Que peux-tu dire de ça, quoi? D'abord, tu as parlé de toi en tant que fan de Batumbede. Donc Batumbede a pu te convaincre. Là, tu kiffes. Et moi, je te fais kiffer pour que tu me payes. Donc, je te vends ce que tu kiffes. Si tu veux que je représente ce que tu vis, je vais le faire. Tu es fan de moi, je vais tout faire pour que tu sois fan de moi. Mais quand je fais un concert, tu viens payer. Tu restes mon fan. Si tu es mon fan, je te représente, tu ne payes pas, je ne fais même pas de toi. Un point entier. Assalamu alaikum. Yeah. Question pour moi, maestro, la quoi. Moi, comment dire, Rim One Family,
gagné un bon mixtape, non? C'était presque un an, non? Mais bataille de Mobogon Lad, est-ce que y a aussi un projet, quoi? Sur mixtape ou bien l'an? Pour la fois, c'est parce que Wolof Hang, je comprends pas ça, tranquille, quoi. C'est vrai, on avait sorti un mixtape de 6 sons l'année passée, avec des thèmes comme Aduna, éducation, tout ça. Et même, on a un projet de sortir un deuxième mixtape. Mais la seule chose, c'est que cette année-là, Raymond Family, Pisposa, Jax et moi, et Jax, on fait le bac cette année. Pisposa, il est dans une formation en ce moment d'informatique, donc on n'a pas le temps en ce moment. Mais on a un projet, les sons sont prêts. Mais là, maintenant, ce qui manque, c'est le temps et l'argent. Mais Inch'Allah, avant le juin ou le juillet, on va sortir le deuxième mixtape, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Juste, je voulais poser une question à Jazo. C'est pour vous demander que pourquoi vous toujours vous rappez que en soninké ou en français. Pourquoi vous n'essayez pas de rapper en anglais ou en poulard, en wolof ou en hassaniya même, parce que la plupart de la population parle hassaniya. Voilà, c'est ma question que je voulais vous poser. Yeah, vous avez posé une bonne question, hein? Mais pour répondre, c'est juste que les autres langues, je ne les connais pas, franchement. Parler un peu comme ça à l'improvise et parler et écrire, c'est différent, quoi. Donc, le français, pourquoi je rappe en français? C'est pour ne pas être, pour vous mettre dedans. Je pense qu'ici, en Mauritanie, tu vois, tout le monde comprend quand même français, même si tout le monde, en général, la plupart des gens comprennent français. La raison pour laquelle je rappe en français, pour ne pas essayer d'être en quelque sorte raciste ou je sais pas comment vous les traitez. Donc, mais le hassani, c'est très dur pour moi de rapper en hassani. Aussi, wolof, c'est très dur. Mais c'est un conseil, hein. Donc, tranquille. J'ai compris, quoi. À partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, je vais essayer de, tu vois, d'écrire en harpoulard ou wolof. Tu vois, merci, hein. Oui, outlook. Voilà, outlook. Bon. Djazo, wallahi, en soni, nisou kiffé. Et puis, franchement, en soni, du mounyari. Yo, anger comme on me connaît bien, là on j'ai besoin de quelqu'un à moula. Donc, ana ligne anger quelque chose déjà, parce qu'en temps où j'ai besoin moula, on sent un canard, un gâchement soit un domaine quoi. Mais on te mourit en hier, rapke, ambraga kani. Donc, anger y a des bernes, il faut nani faire singa maga, faire singa maga en cas de bernes. Et au coup galérer n'y a rien. Maintenant, car au contraire, on y a quelqu'un à faire qui est au puis tu vois, faut bouger pour le moment. Donc, ce qui veut dire qu'il faut un bosser, un respecter, un acteur de financer déjà. Donc, ça prend du temps. Raison pour laquelle on rentre à mixer et baganer le kundu. Alors, il faut des bernes qu'on a, il faut un mara. Mais on essaie de faire parce qu'on a quelques moules là. On moule là. Donc, il faut un acteur de l'IA, un acteur faut qu'il n'y ait quoi. Mais en question, il y a un kundu. Mais mara kundu, il y a deux couteaux. Moi, je fais un marketing où il y a des bernes 3 000 à Nori, voilà 4 000. On fait une question, il y a un market baganer, on a un de 4 canes quoi. Je ramasse kundu, mais il faut aller, Donc, il y a un canet quoi. 4 canes. Assalamu alaikum, Moïse Foré. Bon, NNJ aussi, ça va? En fait, voilà le bilan des votants qu'on a tiré actuellement. Et on a reçu, je vois le papier. C'est important. Bon, en fait, je vais vous énumérer la liste, en fait, des nombres de points qu'on a eu, que chacun a eu, en fait. Il y a Babzo, qui était le numéro 1 de la liste des votants, qui a eu 20 voix. Et il y a Osé Foré, qui était positionné au numéro 3, qui a eu 121 voix. Et il y a Babdi, qui était positionné au numéro 2, qui a eu 3 voix. Et il y a NND, qui était au numéro 4, qui a eu 64 voix. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire tout simplement, il y a Osé Foré, qu'on peut dire, bon, qui a pris le meilleur, qui est le numéro 1 de la liste des gagnants. Et Osé Foré, merci.
on veut quand même un petit mot. Salam alaikum. Bon, affaire aux banques. Affaire au VFC, nous dit quoi. Bon, affaire, c'est vrai, affaire Wadi, mais surprise, n'est-ce pas. Parce qu'il faut également un nom, après, nous dit même Bimengar. Affaire Goto, Kiss Freestyle and Wood. Bon, pour un minute, rap à la meilleure. Il faut que ça soit un petit quoi. Rap à la waïo. Bon, ma chance au mitin, je vais vous et puis vous allez chance au mitin, je vais et puis allez vous et puis vous allez ça passe. Mais il est à donc, il a pris mon quoi, continent job. Continent job, mais il faut que nous sommes des Mauritaniens, et puis nous avons pris mon nom. Donc, affaire Harry Kane Knockshot. Donc, il faut que nous nous développions un monde international, quoi. Donc, VFC, nous avons réussi, quoi. Bah, ça a été, et puis Yalt. Inch'Allah, que demain Yalt. On a une petite question qu'on doit te poser. Osef Fouré, comment as-tu pu faire jusqu'à gagner ces 121 voix? Même job maga en question bref on nous même job man fait bon affaire gorong wood pour dire non que c'est un mon pour dire mitongo nous couvre gang il est comme pour dire babli un bref faut voter nous demi minute comme faut mais moi des fils qui se fils style quoi moi demi te mettre MCN là faire du don bon gars par na quel jour Facebook vote mais wallah gala men jour même hood mon bar ordinateur me dit toi gars par c'est là pour faire un vote. Mais affaire ça m'a surpris gars mon gnalam mi jawran bim 120 va mim kawem wallah kawem mais pour dire que affaire on fenn mo djeng quoi mais pour dire ha bogué ni me noti kam nam da kam freestyle bi djidum télécharger dum Facebook mais que affaire on a mim got ko rapprim fo nam didum tant pour dire que ni bu fam du den kam fo ben doyen bo me ne ci kit me ne di ben ngar melen be do ko bra wuldi quoi inchallah. Merci. Arwaï Dara Seyd Mendjima. Dara Seyd Mendjima, comme ça, en tant que Osef Fouré, le premier qualifié de cette première édition. Donc voilà, soyez les bienvenus. Voilà, merci beaucoup. Bon, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. VFC, Amdouloum Théoulan, film tout de Kiss Freestyle. On était assis ben jour oui il y a cela une semaine surprise Mohamed MC wonu ni fi amna Kiss Freestyle ñong ñu tew yalla baxna sax c'était bien passé alhamdoulillah rabbil alamin et puis encore mangi beug sante yalla féliciter Osef Fouré mu yalla mom la jaglé won chance bop jël nako mais il y a quelque chose que je veux dire sama deugulane donc lu mu neex quoi surtout les rappeurs de rime c'est pas question que j'ai 64 voix ou quelque chose d'autre ou quelque chose. Je suis pas jaloux de cette défaite là et puis de cette victoire là encore. Mais supposons aujourd'hui Taïdi dans chaque concert nous n'y a pas été où. Pourtant on est des artistes. Ni d'agusuni bien, ni assister concert Diou. Mais pourquoi pas Diou tout à l'ordinateur une petite chose pour nous publier sur Facebook. Pourquoi pas qu'il peut pas voter. T'es même sous un programme sur Facebook là indique que nous affichons bon forme et puis nous encore on fait partie de ceux qui partagent encore cette pub pour sur les gars mais pourquoi pas aujourd'hui un petit ouais je vais citer des noms pourquoi pas un CP un Waraba un PA un Yoreminente nous voter pour Babs Babzo ou bien Osef Fouré ou bien quelque chose d'autre mais pas parce que nous hein ah ouais. C'est bien, ouais. Merci NNJ, tu as soulevé un point très important. Mais actuellement, quand même, il y a Yero Minentei qui a voté. Quand même, il fait. C'est un point très important quand même que tu as énuméré. Mais quand même, il a voté, il a pu faire quand même sa petite participation. Et ça aussi, on le reconnaît. Et on le remercie aussi à travers ça. Donc, ce qui reste, c'est aux autres rapports aussi qui sont concernés, n'ont qu'à aussi faire un petit geste pour les autres. Pour en cas aussi, s'ils seront à la place de vous, comme par exemple, aussi que les autres puissent aussi le faire au cas pareil. Voilà, merci quand même pour ce point de vue que tu as donné, c'est très important. Merci beaucoup. Donc, on va. Ok. دور العافية نجبره في الدولة وحدة كافية ناس كاملة متحدة ننتج بار العافية كافي اي سجل ناسي جاي امبروفيزي افاني اي رينجو بار دي لانجستيس سي ici le pro on parle de l'injustice les négros il faut essayer d'être politesse. L'injustice, on parle de là, c'est la justice ici la Mauritanie il y a pas de justice on parle de l'injustice.
Partout tu vois des gens qui ne sont pas, c'est parle, on parle de la jeunesse. Ici c'est l'injustice. Écoute ça, c'est peace and love, c'est ça l'injustice. On parle de tout, des crimes, de tout. On parle de l'injustice. Ok, c'est impro, man. Yeah man, état mauritanien, état de rime. C'est pour ça que je suis aujourd'hui, que je suis là, je rime. Poto, j'ai des dreams. Un jour, j'espère qu'on va arrêter la frime, you know? État de la Mauritanie, état de la rime. Je rime, yo, je veux des dreams. Y'a la frime en Mauritanie, you know? Mauritanie, j'espère qu'un jour, il y aura la paix, peace and love, you know? Yeah, maestro.